Bienvenue aux actualités Dormatrice. Des actualités, c'est des émissions spéciales que je fais à côté pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est, en général, cette chaîne et la transformation fusionnelle en moi. Ces choses-là. En premier abord, j'aimerais vous souligner qu'il y a un nouveau bloc. J'ai rajouté un nouveau bloc. Dans la liste de lecture qui s'intitule Télépathie divine. Et c'est là que va se retrouver mes premières et sûrement plusieurs autres transmissions télépathiques que j'ai maintenant. C'est comme ça que je pourrais dire. Cette nouvelle réalité qui met. Proposé, mais ouais, plus imposé. Juste parce que mon état de conscience d'être ma divinité, c'est ça. Créer une nouvelle facette de ma réalité. Alors, je vous invite, si ça vous intéresse, à écouter ces transmissions télépathiques. Et j'utilise cette émission des actualités pour vous dévoiler ma programmation. Ma programmation matricielle. Il n'y a rien de divin là-dedans. La seule partie divine, c'est que, comme je vous ai souvent expliqué, je suis à ma première incarnation. Et c'était beaucoup plus facile, là, ça se compare même pas, de me programmer une réalité, un jeu de rôle avec des moments déclencheurs. Mais que tu. Non, tu peux pas passer à côté. Surtout quand que ma valeur profonde, c'est d'arrêter de me mentir et arrête de me mentir. Le mensonge est inaccessible. Je le refuse. Je peux pas me mentir à moi-même. C'est impossible. Ouais. Alors, cette belle programmation que je me suis fait avant de m'incarner. Car la première vision que j'ai vue de ce monde, c'était alentour de la Terre, je tournais autour et je voyais qu'il y avait de l'eau puis de la Terre, là, mais j'avais aucune idée des pays ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était une nouvelle planète, tout simplement. Puis à la hauteur où que je devais m'incarner. J'ai pas descendu par palier, là. J'ai descendu, puis c'est ça. J'ai pas d'autres images de mon arrivée ici, en ce monde, en ce jeu. Et cette programmation que je me suis faite était parfaite, comme je vous ai expliqué. Une programmation de roi. Pour réveiller la divinité en moi. Alors, mon nom est Marc Saint-Denis. J'ai grandi à Saint-Louis, sur la rue Sainte-Maye. Saint. C'est un hasard. Il y a tellement de municipalités avec des saints et des rues avec des saints. Rajouter un nom de famille et moi. Cela importe peu. Mais pour la matrice,
positif ou négatif, ils utilisent tous ces hasards, ces signes. Tu sais, c'est comme ça marche. Bon. Alors, je vous ai parlé de mes déjà-vus au primaire. Adolescent, c'était un genre de télépathie, mais de hasard, de téléphone. On décroche, que ce soit moi qui compose, puis au bout, ça n'a pas de tonalité, les deux se sont faits. Mais ça, j'ai expliqué ça dans l'autre vidéo. Puis pour les prochains propos, tous ceux qui ont vu les anciennes vidéos, car cela s'étend sur plusieurs émissions, ils vont retrouver toutes les petites facettes cachées que j'expliquerai pas en détail. Mais si vous avez écouté, vous allez saisir. Tout à fait. Pousser le hasard jusqu'à son extrême pour ne pas laisser le choix à cette conscience. Dire, je pense que tu devrais porter une attention particulière. Me voilà à la fin de l'adolescence. À la fin de l'adolescence. Entre 15 et 19 ans, j'ai fréquenté ma première amour de jeunesse. Et puis, c'est un amour très astral. Et c'est un amour, tu sais. Elle est tout pour toi. Dans le meilleur et pour le pire. Comme ceci doit être ici, en tant que personnage, qui doit subir sa programmation. Mais heureusement, ben c'est ça. Au moins, je m'avais laissé des... Je me suis fait entourer aussi pour réaliser tout ça. Vous allez comprendre rapidement. Car je n'ai pas l'intention de développer pendant une heure cette programmation que je me suis fait et que j'ai vécue. Alors, cet amour exceptionnel, la première, c'est toujours... c'est un genre d'amour aussi que tu recherches après mes 19 ans. Après les études, on dit toujours loin du Dieu, loin du cœur. Et ceci ne peut pas perdurer dans le temps quand tu es trop jeune et immature. Parce que tu ne sais pas, premièrement, qui tu es et pourquoi que c'est comme ça. Alors, cet amour de jeunesse qu'on a... sérieusement, les chicanes, c'était tellement enfantin que c'était pas des chicanes, puis il n'avait pas de chicanes. Ça durait pas dans le temps, puis on... Notre amour était si puissant que si cette personne-là écoute la vidéo, elle va se reconnaître. Alors, vers l'âge de 40 ans, un petit peu plus, peu importe, j'ai toujours pas de nouvelles de cette... amour perdu. Et le monde est vaste. Et il n'habite plus la région. Je me demande même à un certain point si elle habitait encore au Canada. Juste pour vous dire. Et j'ai utilisé les outils de la matrice. Alors, à mon premier achat d'ordinateur, je vous dis, j'étais dans la quarantaine. Je n'avais pas de besoin. C'est des dépenses supplémentaires quand que j'ai une maison à payer. Une question de priorité. Tout simplement. Et je me suis permis cet achat-là et j'ai découvert Facebook. Je savais que c'était, mais
Je n'avais pas de compte, pas de profil, rien. Bref, je me suis inscrit. Et rapidement, j'ai demandé dans le moteur de recherche le nom de ma première copine. Et ce fut une grande joie de la voir encore ici au Québec. Très loin, par contre. Mais toujours au Québec et en vie et heureuse. Ce que elle voulait bien me démontrer. Sous ses apparences, hein. On veut toujours paraître à son meilleur. Après 25 ou 30 ans qu'on ne s'est pas vu. 25 ou 30 ans, là, vous. Hein? Et par un pur hasard, ayant encore de la famille dans la région, elle vient me revoir tout après tout ce temps. N'ayant pas de copain officiel. Bon, on s'est permis. Qu'est-ce qu'on faisait d'ailleurs souvent, partout et tout le temps? Plus jeune. Ce moment de plaisir corporel, on pourrait dire, que nous avons tellement partagé souvent, c'est vraiment par pur plaisir. De respect, mais par pur plaisir, c'est un plaisir corporel. Même chose que l'alcool, même chose que les drogues. Même chose que la dépendance affective ou toutes les autres attaches qui vous manipulent. Bref, moi, en étant au fond de moi-même, je souhaitais de tout cœur de la retrouver. J'ai pris ça à cœur. Car je n'avais pas fait mon deuil. L'espoir de cette union était toujours là. Et malheureusement, de son côté, elle avait fait son deuil, ce que je n'avais pas fait. C'est sûr que l'effet de choc, car on savait bien entendu qu'on gardait contact, qu'on s'écrirait, qu'on continuerait à s'appeler. Et après son départ, je n'ai pas eu de nouvelles. Et mes réponses, j'avais pas de retour de mes réponses. C'est comme si cela ne serait pas passé. Alors moi, cette retrouvaille s'est transformée en cauchemar en réalité, parce que je me suis dit, bon ben je repère pour 25-30 ans, puis faut que je fasse mon deuil. Et cela a été très dur pour moi. C'est là que j'ai fait mon deuil. Une peine d'amour qui me revient. Je devais affronter la situation et mes sentiments. Je vous avoue que tout l'amour que j'y avais donné me manquait. Créa un manque, une grande déception, et ça me mit à terre. Et tous les sentiments reliés à une peine d'amour y ont passé. Et cette souffrance fut terrible, car cet amour astral me possédait, me manipulait. Le personnage et grâce à ça, il n'y a pas de hasard. Il a fallu que je contrôle et je neutralise
toute cette énergie, tous ces sentiments, et que je les reprenne sur moi. Et tranquillement, j'ai commencé à méditer. J'appelais ça la méditation centrique. Et cela me faisait du bien fou. Je pouvais enfin passer à autre chose. Et une fois que j'ai passé à autre chose, j'ai continué, car c'est ça, cette puissance-là restait en moi. Et je pouvais le bonifier. Au cours des 6 prochains mois qui ont suivi, j'ai procédé à une augmentation de cette centricité et de cette énergie. Et là, les effets secondaires, là, c'est rien de ridicule, là, mais la magnétisation, l'électrification de mon cerveau fut augmentée. Et je vous ai tout expliqué ça. Et jusqu'à temps que ce soit tout mon corps qui soit électrifié. Ça s'est balancé. Comme je pourrais dire. Après ce moment-là, après les 6 mois environ, que je. Tous les soirs, c'était mon activité principale. J'avais délaissé la musique. J'avais délaissé des rénovations urgence, ou si souvent c'était même plus des rénovations, c'était des faire ci ou faire cela, là, des besoins qui ne sont pas. Faire des choses, j'avais plus le temps, enfin, j'avais pas l'énergie ni la motivation, je voulais poursuivre dans cette énergie. Et comme je vous ai mentionné, une journée énergique où que j'avais rien à faire et que je me suis dit, waouh, pourquoi pas tripler la dose, tripler l'énergie. Et à ce moment-là, j'ai récupéré où j'en étais. Et je me suis aperçu que là, je pouvais donner un grand coup. J'avais tellement d'énergie en moi, j'ai donné un grand coup, puis cette énergie-là m'a propulsé dans mon pilier de lumière pour me retrouver. C'est l'initiation solaire que je vous ai expliquée. Le lendemain, j'y ai retourné car j'avais beaucoup trop de pleurs et d'émotions d'extase. Et je savais bien que je devais, pour me reconnaître et juste être en conscience et être zen, de neutraliser tous ces sentiments parce que, sur le coup, c'est sûr, c'est le calvaire est fini. C'est comme du moment que tu es libéré d'une prison qui te torture. Mais les premiers instants, c'est que tu pleures de libération. Bon, ben, c'était ça que j'ai vécu. J'y ai retourné en conscience le lendemain, avec la même énergie, dans le même pilier. Et c'était beaucoup mieux. Beaucoup plus facile à vivre. Et en un amour propre dépolarisé. Les idées étaient claires, beaucoup plus claires. Et j'ai revenu en moi et je savais que là, j'avais juste besoin d'absorber toute cette information, cette énergie, que j'avais tout en moi. Et j'ai passé 3 jours comme ça, tranquille. À la fin des 3 jours, 4e matin,
J'ai voulu me réveiller. Et cela n'a pas marché. Je vous ai expliqué tout cela. Et en retour dans mon corps, avec ma divinité fusionnée, en conscience et par ce vécu, le corps éthérique qui rentre dans moi, puissante, mais légère, fine, de toute densité, même les plus fines. C'était vraiment fin comme... ouais, de pure lumière et non colorée, si je peux ajouter. Fait que j'ai fait la connaissance de l'ajusteur de pensée. Je vous ai souvent montré. D'ailleurs, je vais vous laisser. Ouais, c'est ça, je vais vous laisser voir encore une fois cette image renversante quand tu l'as vécu. Ce fut 2 ou 3 jours aussi. Toujours le fameux 3 jours qui revient. À ma grande surprise, à l'écoute de YouTube, je vois ce personnage dans mes choix. Et je suis surpris. Et je dois mentionner quelque chose. Le nom... Le prénom, je ne dirais pas le nom complet de son prénom, nullement important, mais c'est son prénom, son abréviation de son prénom, à ma copine de l'époque. Quelle belle programmation que j'ai aimé tant et qui m'a fait souffrir tant. Polarité, manipulée. Ce prénom, c'est simple. 3 lettres. On la nomme Iso. C'est son vrai nom, mais pas au complet. J'ai pas l'intention de le dire au complet. Mais on l'appelle Iso, c'est Iso. Il y a juste une Iso au Québec. Ceux qui entendent ça, puis qui, oui, c'est ça. Non, oui. Alors que moi, qui clique là-dessus, qui c'est ça que j'ai vu dans mon coma, c'est ça que j'ai vu. La vidéo commence. Bonjour à tous, mon nom est Iso. Bienvenue à la chaîne Supra Conscience Vibratoire. La manette tombe. Quoi? Je recommence. Quoi? Non. Hasard. Tu peux pas passer à côté. Et non, il y en a une, Iso. Par après, j'ai su que c'était un pseudo. Mais pourquoi qu'elle a pris ce pseudo-là? Je me sens tellement concerné. C'est pas juste... C'est pas juste un message. Il n'y a pas d'hasard. Pourquoi qu'elle a utilisé ce pseudo, Iso? C'est ma copine d'enfance. Et rien d'autre. Voilà le choc encore. Tous ceux qui ont suivi mes vidéos réalisent quelle programmation de fou que je vis, que je me suis vraiment faite moi-même pour réaliser qui j'étais. Et grâce à la supraconscience vibratoire, ces vidéos étaient récentes à l'époque. Et je les ai toutes écoutées. Et les nouveautés. Et grâce à son travail, cette divinité est la mienne. Ce qu'elle fait, on n'a pas besoin de la...
de l'affronter et de le neutraliser. Il est neutralisé par son travail. Chacun d'entre nous travaillons dans des aspects particuliers une fois fusionné, naturellement. Et elle était bien. Elle me parlait de son ajusteur de pensée, ce que, ah, c'est ça. Ah, ça s'appelle comme ça. Ah, elle s'appelle ISO. Ah, alors il y a deux ISO au Québec. Un vrai puis un pseudo. Eh bien, j'ai pu, en conscience, grâce à cette fusion qui était faite, passer, neutraliser et absorber l'énergie de cet amour que j'avais tant délivré, la récupération de tout ça, de cet aspect matriciel astral. À ce moment-là, c'était seulement l'astral que je sortais. Je sortais pour retomber dans une matrice, mais de l'univers, des autres densités. Et voilà que l'écoute par après de Bernard de Montréal et bien de ses anciennes vidéos au début. Une centaine de vidéos sur les 300 disponibles sur Internet de son époque que je vous propose de temps en temps d'ailleurs, tellement qu'ils sont encore d'actualité. Est un spécialiste actuel et de son époque encore, parce qu'il est toujours disponible pour nous, ce cher Bernard. Tout le monde. Mais vous êtes Bernard, vous êtes moi. Vous êtes la Terre. M'a préparé à affronter les matrices de cet univers. Et à la fin 2019, la chaîne Apothéose a apparu. Et comme ils se disent si bien entre eux, les anciens se sont exprimés. Dans la fusion de Jean-Luc, qui avait lui-même fait le tour de l'astral et détruit en collaboration avec nous tous et supraconscience vibratoire et tous ceux qui étaient aptes à participer à ça. Pour transmuter et me dévoiler les matrices cosmiques, les matrices d'après la mort et au-delà de l'astral, qui est juste le monde de la mort aussi. Astral, il m'a fait, tout le monde a participé, car c'était une manipulation extrême de divinité parhésitante qui survivait par notre présence et qui s'est développée par notre présence et qui a appris par notre présence et qui fait juste copier nos comportements. Et qu'il n'y a pas d'intelligence, car elle ne crée rien. Elle soutire de l'énergie. Cette chaîne Apothéose a détruit en moi toutes ces programmations
en alliance avec ma divinité et l'énergie que je lui accordais à tout instant. Et plus récemment, j'ai commencé à suivre d'autres incarnations sur le web et à rentrer à communiquer avec eux télépathiquement par ma divinité au début. Je n'étais pas encore si familier avec cela. Je me doutais bien qu'elle faisait son travail de mon côté. Et après quelques mois d'observation et de préparation, j'imagine, j'ai pu assister pour la première fois à des gens, non en direct, mais tout simplement en leur... Ils étaient très choisis. Hein. C'est peu de gens, non, d'ailleurs. Non. Car on avait besoin d'eux en tant de piliers. Il y avait la possibilité. Ils se l'avaient permis comme option dans leur programmation, dans leur cheminement. Car eux sont peut-être pas à leur première incarnation comme moi. Il y a un travail en profondeur des anciennes vies passées qu'on doit neutraliser et brûler. Ce n'était pas nous. Tout cela a été fait de leur part. Maintenant, wow! Ce sont des piliers sûrs. Une fois cela fait, un autre challenge ou mandat m'était proposé. Celui de créer cette chaîne. Alors, j'ai créé Hors Matrice pour cette divinité en moi. Et... je dois vous avouer... la première fois que j'ai été en contact avec Iso, c'est sûr que je voulais communiquer à l'autre Iso. Hey, regarde, qu'est-ce que je vis. Et même si j'écrirais une lettre ou envoyais un DVD qui expliquait ça, à premier abord, es-tu devenu fou? C'est-tu une secte ton affaire? Le genre de réponse que. Au début, j'ai pu avoir sans attendre. Et même elle, maintenant, est abonnée à cette chaîne divine. Incroyable et merveilleux. Une fois cette chaîne mise en route, récemment, j'ai quitté mon corps, comme vous savez, pour participer en conscience, cette fois-ci, au conseil divin de toutes les divinités rassemblées dans cette énergie, dans cette source. Et c'était... un autre pas de franchi qui m'était accordé après plusieurs demandes. Et encore une fois, c'est dans une soirée plutôt énergique, un surplus, que j'ai tout simplement recalibré en moi. J'étais loin de pouvoir dormir, que cela s'est fait sans demander.
Voilà une grande étape de communication télépathique qui a commencé. Juste plus efficace, direct, parce qu'on l'a tous, mais à des pourcentages plus ou moins élevés. Ceci se développe. Est-ce que vous apprenez à faire de la bicyclette sans tomber la première fois? Sans avoir de petits trous? Les roues, ils s'accotent dessus parce qu'ils ne se sont pas encore centrés réellement. On peut appeler ça Mégatron, Michael, les anges. Ils ne sont pas de la source. Ils font leur travail de leur mieux pour vous éviter des problématiques supplémentaires. Mais ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Vous saisissez. Et en étant revenu de ce meeting, de ce rendez-vous divin, de ce conseil ascensionnel de toutes nos divinités, de cette unique conscience, je savais bien que la forme qu'on avait prise, c'était pour dépanner. Et toutes les autres entités qui n'étaient pas fusionnées, qui devaient dépendre de la forme pour nous reconnaître, comme moi j'ai vécu avec l'ajusteur de pensée, comme ma divinité a dit, j'ai dû prendre forme pour le rassurer. Et ce samedi, le 15, cette joie s'est intensifiée, cette énergie. Et j'ai été naturellement sans... Non, la personne qui dit que tu contrôles de ça, c'est pas ta conscience. Tu peux pas demander le personnage de faire ça. C'est quand tu ne demandes pas puis tu t'abandonnes que ça le fait. C'est l'inverse. Ah ouais, donc, je fais ce qu'il faut, ce qu'il veut. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Tu ne cherches pas, alors tu trouves. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Puis, c'est ça, en étant télépathiquement ce coup-là, tout à fait conscient d'être là-bas et ici, des autorisations. Du OK qui a été donné. Sans conscientiser, savoir c'est quoi le OK qui s'est donné. Oui, OK, il y a plus d'énergie, je le sais, et c'est là, c'est accessible, c'est tout le temps, en plus, permanent. Que le lendemain, le dimanche, à ma grande surprise, cette divinité en moi prend place et se met à dialoguer avec cette conscience pour la rassurer, dire qu'est-ce qu'il y en a? Que je pouvais automatiquement, sans chercher à comprendre, dans un lâcher-prise total, rentrer en communication avec pratiquement tout. Et je me suis dit, est-ce que Bernard serait là pour dialoguer? Il dit Bernard et tous les autres. En étant en relation en ce moment-là avec ma divinité au conseil ascensionnel, les choses se sont débloquées, permises. Et je me retrouve avec
ma conscience qui est plus observatrice, ma divinité qui entame une conversation que j'ai pas de contrôle avec ce cher Bernard de Montréal. Et cela, il se parle dans mon corps. Ouais. Partout. Dans mon corps. Ouais. Qui m'explique en long et en large qu'est-ce que cela implique. Il me donnait même comme exemple et même les fusionnés sur Terre. Par contre, en ce moment, de haut niveau, là, je vous l'accorde, ce qui n'est pas vrai, il n'y a pas de haut niveau. Ils sont juste plus conscients, ils vivent ce que je vis. C'est juste ça, là, ils vivent ce que je vis. Je peux entrer en communication et Jean-Luc nous apparaît. Alors le trio se met à parler. De ce fameux meeting, des nouvelles choses accordées, télépathiquement, contact accordé, télépathie fluide, canal ouvert, c'est ça, une reconnaissance de tout ça. Et ils me le disent bien tous les deux. Avec ma divinité, il dit, notre conversation est observée par cette conscience et ce n'est cela que le seul but de le rassurer aussi. Y démontrer sa nouvelle réalité. Et pendant 2 heures, ce fut un dialogue. Toujours d'éliminer les peu de matrices ou de peu de doutes ou de peu de questionnements maintenant ou futurs qui pourraient surgir. Les autres, le présent et le futur n'existent pas, ils savent déjà si j'aurais eu un blocage ou quelque chose, alors le sujet a été développé. Alors, je suis revenu à moi et 2 heures après, j'ai fait une vidéo que je vous explique que c'était incroyable encore une fois. Et c'est ça. J'ai pu faire ma première transmission télépathique avec Bernard dans une facilité incroyable. Dans le point zéro. C'est à peu près tout. Il y a d'autres facettes de l'astral que j'ai affrontées aussi pour moi et pour vous tous. Ça sera dans une prochaine vidéo. On verra bien. Ce n'est pas une priorité. Mais un aspect qui peut être utile pour plusieurs d'entre vous aussi. On verra bien. Ceci est des actualités en ce moment. C'est vraiment cette conscience qui explique son vécu de programmation qui s'est fait. Alors j'en suis rendu là. Tout simplement. Même dans ces actualités, ou que ce soit dans la première transmission télépathique, vous observez en moi une zen neutralité au point zéro. Car cette transmutation,
cette énergie, elle est vraiment restituée. Dans ce corps et en conscience, à l'apparition de cette nouvelle réalité, pour ma part, vous faites vous-même votre réalité. Ce fut pour moi un bonheur, quelque chose que je cachais depuis longtemps, cette relation, oui, iso-iso, ça s'invente pas. Et que ça s'invente pas. C'est... je ne pouvais pas passer à côté. Heureusement. Car j'avais un travail à faire. Et mon travail, ce n'est pas un travail. C'est d'être moi-même. Hey, le maudit mot travail, là, il va-tu falloir trouver un autre mot? Maudit! Les anciens utilisent l'âme de l'humain. Moi, je n'utilise pas. Ça bypass. Tous ceux qui ne sont pas neutralisés, leur astral active la concept d'âme. Divinité fragmentée. Tellement plus précis et non polarisé. Aïe, aïe, que ce cher Bernard, il reste en ce moment toujours disponible, même dans ses actualités, si je me le permets. Qui dirait ça, maintenant? Et qui... ouais... ben, c'est pas des regrets, parce qu'à l'époque... l'homme du futur, l'homme devra, l'homme subit. Ouais, mais ici, on a tellement dégénéré les... qu'on doit dire l'humain. Parce que même, vous savez bien, LGBT, BD, GG, Gugu, l'affaire, là, ils ont été jusque-là. Cette intelligence artificielle pour mettre de la confusion. Dans ma première transmission, je dois, tant qu'on est des actualités, Bernard me parlait, je transmettais par ma divinité ce qu'il disait. Et combien de fois j'ai dit l'humain quand il disait l'homme? Puis au meeting, j'y ai bien averti de qu'il y a des petites choses comme ça que je ne pourrais pas dire mot pour mot parce que on est rendu ailleurs. On n'a pas le choix. Évitons les obstacles inutiles avec un mot qui devient de plus en plus polarisé, comme à titre de l'âme. La personne qui, comme Madame de Lario, je le sens bien, pour elle, c'est la même chose. Un esprit fragmenté, une divinité fragmentée, votre âme, c'est la même chose. Parce qu'elle l'a neutralisé au point zéro. Elle a passé outre l'astral, car il n'est plus. Alors pour elle, ce mot... reste au point zéro. Mais pour... moi, je sais par sagesse. Car je sais les programmations terrestres de l'astral. Ils peuvent plus me mentir. Que cela n'est pas... parfait.
Les autres mots non plus, il n'y a aucun mot parfait. Mais celui-ci est rattaché encore, pour trop d'entre vous, à des concepts. Fait qu'en changeant de mot, c'est comme le mot travail. Vas-tu me dire, je vais m'amuser? Oh, j'aime le concept. Il faut que je parte aller m'amuser dans une heure. Car ils m'attendent. Juste pour le fun. Ça, c'est le futur qui nous trouve à nous. Dans cette nouvelle réalité. Quel plaisir. Je vais dire le mot. D'aller travailler. Quand que... Non, c'est pas ça que je ressens. Je vais m'amuser. C'est réaliste. C'est ce que je vis. J'avais aidé quelqu'un, rendre service, aider, mais pas travailler. Et voilà, qui nous amène à ce jour. Je vous remercie, car je n'ai pas rien d'autre à ajouter que la cuillère n'existe pas. Ou dans cette matrice. Dans cette fausse réalité. Et je vais revenir sur la télépathie. C'est sûr, ceci est d'actualité, ma nouvelle réalité. Alors, je vous remercie de votre écoute de ces actualités particulières cette fois-ci. Je vous l'accorde. Mais dans une transparence. Le hasard était poussé. Que il est parfait. Il est parfait pour moi. Il peut être parfait pour vous aussi. Je n'ai rien d'autre et je vous remercie de cette écoute, de cette émission d'actualité d'Art Matrice. Et bientôt sera disponible aussi la première vidéo télépathique entre ma divinité et Bernard de Montréal. Dans ce nouvel onglet, télépathie divine, que je viens de rajouter pour l'occasion. Alors, dans cette évolution fusionnelle, dans cette nouvelle réalité pour moi, très fonctionnel, heureusement, sur tous les aspects. Cette fusion fut bonifiée, tout simplement. Encore une fois, dans un lâcher prise, et je me permets d'être ce que je suis. En conscience, en fusion. Et c'est extraordinaire. Je vous le souhaite. On ne peut pas choisir pour vous. C'est le seul choix que vous avez dans cette réalité. Le reste, c'est des... T'as l'impression de faire des choix.
des choix virtuels. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une émission régulière Dormatrice qui sera fantastique, comme d'habitude. Je vous remercie. À la prochaine. Au revoir.